Alors, tu comptes faire quoi pour Harry ? À vrai dire, mon plan, c'est d'abord d'aller le voir et ensuite de lui demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Enfin, si j'arrive à le trouver, évidemment. Je peux t'aider à le retrouver. Malheureusement, Harry a découvert le mouchard et il l'a retiré. Coup de bol, j'ai pu entendre son appel à cette femme et il est parti la retrouver. On t'a déjà dit que tu ferais un bon agent du FBI. Je parie que tu dis ça à toutes tes copines. Va retrouver Harry. Alex ? Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Je sais que t'as volé des bagnoles au 510. Je sais aussi que t'as donné l'argent à une fille. La seule chose que je sais pas, c'est pourquoi. La fille, elle s'appelle Connie. C'était la copine de Dayton. Elle a un garçon de 5 ans, Ben. Le fils de Dayton. Ton neveu. Espèce d'enfoiré ! Tu m'avais caché ça ? Je voulais pas, mais elle m'a fait promettre de rien dire. Après ce qui est arrivé à Dayton, elle a peur. T'aurais dû me le dire. Je sais. Je suis désolé. Et alors ? Est-ce qu'il faut que je me note Harry aux quatre coins de son lit ? Ça lui déplairait pas, mais t'en fais pas pour Harry. En fait, il aidait une amie de la famille. Affaire personnelle, aucun risque pour la mission. J'espère que t'as raison, Alex. Comment ça va avec Eric ? Ça avance. Deux ou trois choses à régler et il prendra du galon. Et j'aurai mon tatouage.
bravo. Genre, dépense-le.